Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte donc dans l'enveloppe de Valérie P. Un petit paquet pour mon anniversaire. Donc je te remercie énormément Valérie pour ton geste et puis ben, nous allons découvrir tout cela ensemble. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis trop contente, forcément. Allez, c'est parti, on découvre. J'enlève le petit washi. On va enlever ça. C'est joli, joli, joli. Très joli. Et donc, il est marqué en bas. Coucou, cadeau pour Odile M. Zoubi Scrap. Et ben, je te fais plein de Zoubi Scrap aussi. Très sympa l'étiquette. Très joli. En plus, c'est en français. Je sais pas où c'est que tu les as trouvés, ceux-là. Parce que j'ai vu que chez Temu, on a des choses comme ça, mais c'est en anglais. Et du coup, bah, j'aimerais bien avoir ce genre de petites étiquettes. Est-ce que tu as trouvé un site avec ces étiquettes? J'aimerais bien le savoir. Et, si c'est... Et puis, ben, savoir où tu les trouves, voilà, pour en acheter aussi. Hein, mais voilà. Oh, la jolie carte. Oh, elle est belle la carte, tout en relief, avec des belles fleurs ici. Oh, c'est chouette. Avec marqué « Joyeux anniversaire » en français, s'il vous plaît. Oh, c'est mignon. C'est mignon, mignon. Oh, il est joli le cadre que tu as fait derrière. C'est toi qui as fait ce joli cadre en broderie, j'imagine. Alors, ça se présente comment, ça? Ça s'est fermé en bas. Il doit y avoir un scotch. Est-ce que... Non, c'est un trombone. Voilà, c'est un trombone qui ferme le petit paquet en bas. Oh, elle est superbe, ta carte. Elle est sublime. Ah ouais, elle est sublime. C'est comme un cadre derrière la mienne. Joyeux anniversaire. Ici, c'est une petite compo de petites fleurs. Oh, c'est mignon. C'est très, très joli avec des rubans, je crois. Oh, je vous montre. Regardez-moi comme c'est magnifique. Et Valérie, vraiment, elle fait beaucoup de récup et tout aussi. C'est vraiment beau ce qu'elle fait. Valérie P. Et donc, c'est Valérie, quand elle fait ses commentaires, ben c'est Valérie P. Valérie Plouvier. Voilà, vous la voyez tous. Elle est sur Instagram aussi. Voilà. Oh, sublime. C'est sublime. Derrière, tu as fait un papillon. Et là, oh, c'est beau, ce petit ruban là que tu es venu coller. Il y a un autre sticker, ce papillon là. Et oh, c'est très, très joli. Regardez. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Le ruban là est magnifique. Le ruban est sublime. Ouais. Le papillon et tout. Ah, c'est très très beau. Elle est très jolie ta carte. Merci beaucoup. Très, et là ici en fond, on a la suite du ruban qu'on a derrière. Donc je vais défaire le petit trombone ici. Voilà. Et donc on va ouvrir parce que dedans il y a plein de petites choses. Oh là là, comme c'est joli. Oh, comme c'est tout mimi. J'adore. Oh, j'adore. C'est trop beau. Ah ouais, merci Valérie. Oh oui. Oh, c'est mignon. Alors, attends. Il y a une pochette. Alors, à l'intérieur, donc il y a le petit mot. Ça, ben, c'est pour moi. Hein, voilà. Donc, il y a le petit mot. Je vais vous juste enlever le petit mot. Et puis, donc ici, on découvre ça avec une petite enveloppe. Ici, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Avec toujours, c'est les mêmes petites pochettes avec des papillons. C'est très, très joli. Et dessous le petit mot, là, vous avez une pochette comme ceci qu'on va venir découvrir. Donc, c'était pour pas que ça tombe quand j'allais faire l'ouverture. Je vais lire d'abord ton petit mot. Alors, qu'elle est venue donc m'écrire. Je vais regarder ça. Merci beaucoup, Valérie, encore l'émotion de ton petit mot, parce que vraiment, je te remercie énormément. Tu es là depuis le début de cette chaîne et tu me gâtes énormément. Et je te remercie beaucoup, beaucoup. Et regardez, elle m'a fait une petite série. Elle m'a trouvé des petits smileys autocollants. Moi, j'adore les petites bulles comme ça. C'est très sympa, tous ces petits sentiments. Ça sert toujours. Et donc, elle a mis avec un espèce de petit tamponnage des ciseaux, là. Et donc, c'était sous le petit mot. Avec ici, elle a mis tout autour du petit mot. Elle a mis, elle a fait cranter son papier à lettres. C'est vraiment très sympa. Franchement, très sympa, très mignon. Tout est bien, bien, comment dirais-je, voilà. Tout est bien...
coordonnées. Enfin, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Et donc là, je vais remettre ça comme ça. Et dessous, donc, il y avait la petite pochette que je vais vous montrer après. Déjà, d'emblée, nous allons. Elle a mis le petit smiley en bas du petit courrier. J'adore. Merci beaucoup pour ton petit mot. Ça me touche beaucoup. Et vraiment, je te renouvelle également mes amitiés. Et puis, vraiment, merci d'être présente aussi sur ma chaîne. Et je suis très heureuse que tu apprécies également la chaîne. Voilà. Et merci pour les félicitations. Voilà, donc ici nous avons une magnifique fleur qui ferme cette très jolie pochette de papillons. Je vous montre tout près. Voilà, et donc c'est le même principe que tout à l'heure. Oh là là, il y a plein de petites choses sympathiques dedans. Oh, une double pochette et tout. Regarde, alors attends, on va essayer de défaire. Dedans il y a plein de petits machins, plein de petites choses. Donc, alors attends, c'est collé. On va réussir à décoller. Elle m'a fait plein de petites découpes. J'adore, j'adore. Toi, tu me fais toujours plein de petites découpes. Ça me sert bien, tout ça. C'est vraiment sympa. C'est plein de petits die cuts. Voilà. Et ici, je ne sais pas si ça s'enlève, la petite carte. Elle a dû se coller. Elle a dû se coller. Non, on ne va pas l'enlever. Je pense que c'était que tu voulais faire une petite pochette. Voilà, j'arrive à récupérer quand même les petites choses. Voilà, ça c'était collé dedans. Est-ce que voilà, ça s'enlève. C'était un petit oiseau. Voilà, des petits perroquets que j'adore, des petites mésanges. Voilà, c'est vraiment très sympa. Donc, je suis en train de décortiquer en même temps, hein, mais voilà. Du coup, ça c'était, c'est sympa ces petites enveloppes, hein, franchement. Voilà, elle fait ça. Regardez, dans du papier comme ça, du papier glacé. Si ça se trouve, tu récupères des jolies pages comme ça de magazines ou je ne sais quoi. Et franchement, c'est très sympa, très très mignon. Et comme ça, ben, dedans, il y a tous les. Ben, oui, non, il y en a encore, regarde. Voilà, tu vois. Donc là, il y a plein d'embellissements qu'elle fait elle-même. Regardez-moi ces jolies fleurs. Regardez-moi ces jolies fleurs. C'est joli, hein, avec le petit cœur au milieu, là. C'est vraiment très sympa. Ah oui. Ici, donc, il y a toute une série de petits oiseaux, un petit oiseau de printemps, c'est très sympa aussi. Ça, tous ces petits autocollants là, c'est vraiment très sympa. Voilà, un autre ici et celui-là. Ils sont tout mignons les oiseaux. Donc là, c'est pareil. Je pense que c'est des autocollants. Et ça, c'est vachement utile, hein. C'est très très pratique. Voilà. Ici, vous avez un petit die cut de tamponnage de fleurs qu'elle est venue, je pense, coloriser. Ici, on a des petites choses un peu donuts comme ça. Voilà, ici, elle est venue coloriser. C'est vraiment joli. Ouais. Oh, une autre fleur en bois, là, comme ça, regarde. Une autre belle petite fleur, comme ça. Très sympa. Des petits présents, comme ça. C'est tout mignon. Tout mignon, mignon. Ah oui, les rêves. Un ticket pour les rêves. Hein. Mon rêve est de retrouver la vue. C'est un de mes rêves les plus précieux, peut-être. Oui, je pense que c'est celui-ci en priorité. Voilà, surtout la vue. Et là, ici, ça, c'était le petit trombone. Merci beaucoup, Valérie, pour tous ces petits embellissements très sympathiques. Et ça va me servir aussi. Et donc, tout ça, c'est des magnifiques enveloppes. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Et en fait, l'enveloppe, elle est géniale parce que elle se ferme dedans et vous avez cette petite fleur. Qui la ferme aussi. Et donc voilà. Donc ferme-la de l'enveloppe. Ah, c'est pas moi. Voilà. Donc on va découvrir à l'arrière, on avait vu hein, déjà. Voilà. Et on va découvrir le petit présent qu'il y a dans cette jolie pochette. Donc on va regarder Secret Garden. C'est très joli. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Très très jolie pochette. Il est marqué Eau Fragrance Bag. Donc ça veut dire qu'il y a du parfum. Oh, ça sent bon. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Ah, c'est un pot pourri, je pense. Un truc pour sentir bon. Oh là là. C'est un petit sachet parfumé, donc pour mettre dans un placard ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, bah, ça s'ouvre pas. Je pensais qu'il faut laisser le truc dedans.
Donc pour suspendre comme ça, je suppose qu'il faut le suspendre comme ceci. Oh, c'est mignon. Puis ça sent bon. Ça sent bon ça. Ouais. Donc je pense pas qu'il faille l'ouvrir, hein. Tu me diras, puisque je connais pas du tout ce genre de truc. Donc tu me diras s'il faut l'ouvrir de la pochette ou pas. Parce que je vois que c'est, on peut le suspendre comme ça directement. Et ça sent vachement bon à l'extérieur. Hein, donc ah, ça va être sympa ça pour mettre dans la commode ou dans le placard. Ah oui, c'est vraiment sympa. Merci Valérie pour ces jolis présents. C'est très gentil de ta part. Très très gentil. Ça me touche. Je vais le laisser pour l'instant dedans pour pas que tout le parfum diffuse. Mais voilà, secret de jardin. Voilà. Donc c'est un pot pourri de senteur. C'est très sympa. Merci beaucoup pour tes attentions. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Alors, je le remets pour l'instant comme ça. Je vais remettre sa petite trombonnette, ton petit trombone. Voilà. Donc, voici comment c'était présenté avec la magnifique carte. Donc, pour l'anniversaire. Voilà. Merci Valérie. Je vous remercie beaucoup. À toi Valérie, d'abord bien sûr, et ensuite. Merci beaucoup d'avoir fait des gestes pour mon anniversaire, ça me touche énormément. Et donc, j'ai passé une très bonne journée, j'étais gâtée. Et bientôt, j'ai mon petit bonhomme qui arrive, mon fils. Donc, ça aussi, c'est un beau cadeau qu'il me fait parce que ben, ça me fait vraiment plaisir qu'il vienne jusque-là. Parce qu'on ne se voit pas souvent ici sur la région. Donc, dernière fois que je l'ai vu, c'était au mois de mai. Donc, c'est pas si vieux. Mais voilà, j'ai dit, sinon, on n'arrive pas à se voir. Et. Voilà, avec le travail, avec toute leur vie et tout ça, ben forcément, la vie, elle a changé. Hein, maman n'est plus la priorité. Voilà, mais c'est bien qu'on quand même, il faut garder les liens avec sa famille. Voilà, c'est le plus précieux, je pense, et c'est dommage quand on ne peut pas le faire. Hein, ça arrive, moi aussi, j'ai des membres de ma famille avec lesquels je ne suis plus en contact, malheureusement. Pas forcément de mon côté, mais voilà, les choses se sont faites comme ça. C'est très regrettable, mais voilà. Après, c'était la petite ombre de ça, mais tu m'as redonné le sourire, Valérie. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Je fais donc ma chère Zoubiscapinette Valérie. Donc, merci beaucoup à vous tous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!